C'est quoi la Havdalah? Parce que c'est la fin de Shabbat le samedi soir avec l'apparition de trois étoiles dans le ciel. On récite ce qu'on appelle la Havdalah qui veut dire séparation. Elle permet de distinguer le Kodesh et le Chol, c'est-à-dire entre les jours saints et profanes. Cette mitzvah s'adresse aux hommes et aux femmes. On utilisera un verre de vin ou deux jus de raisin, une bougie de Havdalah et des senteurs. On fait d'abord la bénédiction sur le vin, puis les senteurs et enfin sur le feu. Ensuite, il y a une bénédiction finale qui s'accompagne de la consommation du vin. À la toute fin, dans un récipient, on met la bougie dans le vin de l'Havdalah. D'ailleurs, si vous n'avez pas de bougie de l'Havdalah, je vous présente la boutique La Bougie Dorée. Ce sont des bougies artisanales décoratives qui sont faites à la cire d'abeille. Ils font tout type de bougies, mais il y a aussi des bougies d'Havdalah. Je vais vous la présenter. Voici à quoi elle ressemble, voilà, elle est plutôt belle. Donc voici l'affiche en question pour savoir si vous êtes intéressé. Pour d'autres questions, n'hésitez pas. Et que Dieu vous bénisse.